N'abtome dernière semaine pour moi de janvier à amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal sous télévision nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Président République Lan, Jovenel Moïse, retourné dans le pays hier dimanche lan, après visite li dans le pays Italie. Côté Lichita Palais, actokai italien li Sergio Mattarella et puis Pape François. Avant de quitter le pays Italie, chef l'État te rencontré membre communauté haïtienne en Italie. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agénor Cadet présenté aujourd'hui à grande ligne action ministère Apmenin pour améliorer système éducatif là. Ministre là a participé dans 31e conférence pour la presse qui déroulait aujourd'hui à dans cadre programme lundi de la presse ministère communication organisé. Plusieurs Haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis, dans l'État Floride, décidé de mettre tête ensemble, yon manière pour capable investir dans divers projets de développement dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, ils ont mis sous pied une structure qui porte le nom Brothers Investment Group International, plus passé 3 milliards de dollars américains déjà mobilisés dans le cadre de projet SILA. Kouyo Paris va reprendre dans faculté sciences humaines lundi 29 janvier à Jean Saté annoncé. Faculté a fermé depuis presque yon l'année. Et puis dans le cadre de célébration 165e anniversaire naissance euro-indépendance cubain, José Martí, yon statut euro en dévoilé dans La Havane dimanche 28 janvier 2018 l'an. Statut ça, c'est un cadeau est à New York, La Havane. Zami téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés. C'est Titiayo à compil l'autre information qui pourrait le faire essentiel journal l'an pour Assoya. Yon faut encore nous saluer et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal l'an pour Assoya. Nos présentations, c'est Linela qui ensemble avec nous. N'a pas démarré tout de suite avec développement journal ça, n'a pas commencé avec information une page météorologique là et ses collaboratrices nous Nicole François Selom qui pourra le dire nous qui j'entendais pour Assoya et qui j'en sais à pied pour reste semaine. Bonsoir Nicole. Salut à tous, avec un peu de plaisir moi retrouver nous aujourd'hui pour bulletin météo qui j'en condition yé, nous voir ça connia sous bassin avec différents images nous yo. Gen une zone de haute pression qui chita au niveau Atlantique Nord là. Donc c'est situation ça qui kembe condition météo sous Caraïbes centrales là donc sous Haïti pour aujourd'hui. Ça permet à ce que nous gon temps qui réellement sec dégagé donc c'est ça nous ka wè avec image ça yon ciel complètement dégagé sous pays hein. Mais gen vent tout qui soufflait très fort par rapport à haute pression ça qui drainer en pile vent au niveau pays et cause conditions maritimes ont toujours été agitées et que nous avons ça tout à l'heure avec prévision maritime. Donc ça permet à ce que l'activité la pluie a toujours été limitée jeudi à ce département. C'est seulement de rares petites averses qui ont touché quelques départements, mais pas gain espérance la pluie vraiment au niveau pays pour jeudi, même voire demain. Pour ça avec les gens qui sont côté de l'océan encore, même situation, son ciel totalement dégagé avec vent qui a soufflé plus ou moins modéré après-midi au niveau Port-au-Prince. Température maximale là aussi entre 30 jusqu'à 33 degrés Celsius. Minimal là descend à 20, encore une nuit qui est réellement fraîche au niveau Port-au-Prince avec les gens à voisinature. Et pas de trop chance tout pour avoir la pluie qui fréquente la capitale pour après-midi. Au niveau page maritime, dans côte nord, golfe de la Gonave, côte sud pays, c'est toujours des vagues très hauts avec vent qui souffle très fort au niveau côte qui rend la mer réellement agitée. Surtout, gen côte nord, il y a une interdiction qui kembe pour capitaine, pêcheur, pour personne moun pas monter au niveau côte nord par rapport à la situation ça qui causait des vagues qui dépassaient 13 pieds, donc 4,6 mètres comme ça au niveau côte nord. Et pour côte sud pays, c'est très proche côte là qui plus ou moins accessible pour ta gain quelques activités mais au loge
c'est toujours interdit parce qu'il vague réellement très haut au niveau côte sud là. Et également, il y a le golfe de la Gonaïve-Tou qui toujours a des vagues qui montent jusqu'à 10 pieds. Donc, nous connaissons une zone d'activité quand même, mais demandez capitaine pour être très prudent, surtout les fréquenter zone golfe de la Gonaïve. Mais quant à Côte-Nord, c'est très, très, très important. C'est interdit pour un cabotage au niveau Côte-Nord paysan jusqu'à ce que la situation retourne à la normale. Et pour finir dans la page astronomique, là, le soleil a couché aujourd'hui, c'est 5h40. Et la pluie demain matin à 6h24 au niveau Port-au-Prince. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous pour l'information. Merci pour l'attention. Nous. Bon après-midi, bonne soirée et à très bientôt. Merci Nicole et très bonne soirée. Jean nous t'ai dit dans grand titio président République Lan Jovenel Moïse qui t'est accompagné première dame nan Martine Moïse à qui en délégation retourné dans pays d'Haïti dimanche 28 janvier après une visite 3 jours dans pays Italie. Dans cadre d'un point de presse qui était occasion tout pour le président République l'en présenter bilan voyage li côté il était chita parler avec chef l'église catholique là dans Vatican pape François sous plusieurs dossiers qui gain rapport avec implication jeune yo dans développement pays. Chef l'État nation en parler yon l'autre bord sous rencontre li te gagné avec président italien Sergio Mattarella sous rapport coopération de pays. On suive yon extrait. Nous te à rencontrer Saint-Père là Pape François. On te parler de problème jeunesse là en Haïti avec lui parce que nous connaît comment nous une population qui jeune sont gros opportunité. Mais son opportunité, il faut bien gérer pour être capable de jouer avec ça, pour être capable de faire le servir comme un gros levier pour le développement du pays. Donc on est autorité dans l'église en Haïti, il y a bien pour entrer en pour parler avec l'autorité qui est dans le Vatican, pour nous incessamment connaître qui date la visite ça qu'a fait nous-mêmes, peuple haïtien. Pour nous préparer nous en conséquence pour nous recevoir papa. Nous avons rencontré le président italien. Nous connaissons bien comment les Italiens sont très bons dans la construction de machines. Par exemple, si nous parlons d'énergie électrique, nous connaissons un barrage qui est supposé fait sous le fleuve Artibonite. Je parle de barrage Artibonite 4C. Qui son projet qui finit, étudie là. Mais malheureusement, pour le côté gens ont mis en commun pour nous être capables d'implémenter le projet. Ça. Italie, c'est un pays qui est plus fort sur la terre, a fait construire turbine hydroélectrique. Nous avons parlé avec le président sur ça, sur l'affaire énergie. Nous avons parlé avec lui sur l'affaire touriste là tout. Parce que le plus gros tour opérateur qui vient dans le monde tout, c'est italien, ça veut dire. Qui ça contre opérateur, c'est des gens qui organisent pour mener les gens voyager dans l'autre pays. Et je dis, nouvel élan que le pays a pris, téléphérique que nous allons mettre dans la citadelle très, très prochainement, qui permet que nous puissions mener 500 personnes chaque heure dedans dans la citadelle, vient faire que le tourisme, développement touristique, là, nous avons réfléchi à l'autre gens. Aéroport international, Toussaint Louverture. Que nous la donnons là, nous avons pour nous agrandir. Aéroport Okai, qui vient pour venir à l'aéroport international. Aéroport au Cap là, nous avons pour nous mettre Jet Bridge, même avec Port-au-Prince là, pour nous refaire terminal là. Ça fait que nous avons préparé pour les touristes entrer dans le pays. Nous avons toujours été ensemble avec le président Jovenel Moïse, qui a annoncé avant longtemps formation. Comité mixte qui prend le travail dans le développement énergie pour renforcer différents secteurs. Chef l'État haïtien yon l'autre côté fait appel by investisseurs pour intégrer yo dans la production courante pendant l'État haïtien a facilité entrepreneurs sa yo avantage dans le cadre de distribution courant dans la région qui pi rekile yo. On suive président Jovenel Moïse dans le micro TNH. Pour ton commission mixte, rapidement
qui parle chita sous affaire développement touriste, agriculture et énergie. Nous voulons parler d'une commission mixte qui prend le travail sous trois aspects qui pour permettre que l'énergie électrique, là, parce que nous songeons en janvier, 19 mois, ça veut dire qu'il faut que le pays ait un courant 24 sur 24. Pour le courant, ce n'est pas rester après être croisé pour nous, et puis pour le courant venir, c'est nous-mêmes qui pouvons faire effort, j'en sais comment c'est fait. Dans les Iwa, j'en sais fait semaine qui se passe à la ANAC, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, que directeur, il est en tête, institution ça, depuis le fin mois novembre, on appelle à manifestation d'intérêt qui sortit pour toute civile. Il a dit tout le monde aujourd'hui qui a un désir, a dit un entrepreneur, qui a envie de mettre courant dans une civile dans le pays aujourd'hui, ou pas dans quelle contrainte. C'est arrivé, fait of power, montrer intérêt pour capable gens ça fait dans les Iwa, pour qu'a choisir n'importe qui ville. Ou bidé sous lui, et puis l'État bordois pour produire, pour distribuer et pour toucher comme plateau. Maintenant, l'État qu'on y a, ou rien, si vous faites bénéfice, parce qu'il ne faut pas oublier, tout système ça va bien auditer. Il faut un système audit indépendant qui l'a pour auditer tout le monde qui n'a fait production courante dans le pays, dans le produit, distribué à vendre. Pour leur vendre, quoi vous faire? Si quoi vous faire, il ne pas permettre de rentrer quoi ou de faire investissement ou non, laisse l'État à venir pour garantir ça. Mais si quoi vous faire? Ou faire comme investissement non plus, plus ou faire bénéfice, ou pas l'obliger de payer l'État taxe avec impôt sous bénéfice ou turbine qui a été installé dans la centrale à Tibonite 4, c'est que n'a pas l'air. N'a profité fait qu'on est en vain le quitter pays Italie. Président République Lan Jovenel Moïse t'a rencontré communauté haïtienne nan, vendredi 26 janvier passé à dans hôtel Excelsior. Chef l'État t'a profité présenter assistance là différents projets développement administration liant à exécuter en Haïti dans différents niveaux. On suit un reportage. Rencontre président Jovenel Moïse à communauté haïtienne dans pays Italie, c'est une opportunité en plus pour chef l'État présenter assistance là une série décisions et puis différents projets développement administration à exécuter en Haïti. Dans l'idée pour permettre pays à prend j'arrête dans question infrastructure de base, économie, éducation, santé et l'autre encore. D'après chef l'État, changement total capital Haïti, c'est un rêve ambitieux que diaspora haïtienne doit encourager. Nous sommes en train de dire à nos partenaires que nous sommes prêts à travailler avec eux, à faire ensemble avec nos partenaires. Mais nos priorités doivent être respectées parce que le développement n'est pas le fruit du hasard. Le développement peut se faire avec de très bonnes planifications. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Haïti. Nous sommes en train de planifier notre développement. Et dans ma campagne électorale, j'ai parlé du développement endogène. J'ai dit que ce pays, il faut que les Haïtiens se regardent l'un l'autre dans les yeux pour dire nous pouvons faire mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Malheureusement, pas eu la chance de visualiser sur vidéo, je ne sais pas si peut-être les techniciens s'ils sont prêts à vous faire visualiser la vidéo. Mais je dois vous dire que nous sommes en train de réaliser beaucoup de choses dans le pays maintenant. Nous sommes en train de travailler pour qu'après 5 ans, Haïti soit un pays fier. Parce que être un PMA, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et moi, je dois vous dire, sous mon leadership,
Haïti veut sortir de cet enfer. Nous voulons faire Haïti et nous allons faire Haïti un pays émergent. Assistance là, te gen la donne, haïtien natif natal, ou soit petit haïtien qui fête en Italie. N'a présenté par exemple, Stella Jean, un designer origine haïtien, qui défend l'image Haïti à travers Zev Lio. Je suis une styliste de mode et ce que j'essaie de faire, c'est de raconter le pays de ma mère, le pays dont elle est tellement fière qu'elle nous a passé ça, dans mes collections, dans mon travail. Et grâce à cet amour pour ce pays, on a pu présenter Haïti à Milan à la semaine officielle de la mode italienne. Et maintenant, beaucoup de gens parlent d'Haïti d'une autre façon et pas seulement du tremblement de terre, mais comme un pays plein de ressources artistiques, historiques et autres encore. Je vais raconter, quand j'étais petite, je passais devant le salon et il y avait cette femme, ma mère, une femme très très forte et très très indépendante. Elle dansait toute seule avec la musique haïtienne, elle souriait et elle pleurait. J'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce que ce pays a de si puissant, de si ensorcelant, qu'une femme si forte devient si tendre, même seulement en entendant la musique. Elle nous a appris, ma sœur et moi, l'histoire d'Haïti. Elle nous a fait connaître plein d'écrivains, d'artistes. Et c'est plus fort que moi, c'est ce que je dis souvent pendant des interviews. C'est dans mon ADN et c'est plus fort que moi, l'amour pour ce pays. C'est, moi aussi, je n'arrive pas parfois à le comprendre. Rapidement, votre prochaine visite en Haïti, ce sera quelle occasion? Ça sera toujours l'occasion partenariats qu'on fait, de travail. Donc je produis des parties des accessoires et des tissus de ma collection en Haïti avec les artisans. Donc on fait des accessoires en papier mâché, en fer forgé. Et c'est une façon de promouvoir et raconter le pays. Président Jovenel Moïse fait remarquer qu'il est le temps pour Haïti suspendre vivre à travers aide pays étrangers seulement. Mais pour pays à grand monde tête li et définir propre priorité citoyen yo. Rencontre président République là avec compatriotes haïtiens yo. 26 janvier, c'était dernière étape visite officielle chef l'État dans ville Rome, pays Italie. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout plaisir haïtien qui vivent dans pays États-Unis dans état Floride. Décider mettre tête ensemble, yon manière pour capable investir dans divers projets de développement en dans pays d'Haïti. Dans ce sens, yon mette sous pied yon structure qui porte nom Brothers Investment Group International. Yon déjà commencé à étudier divers projets qui touchaient plusieurs secteurs. Plus passer 3 milliards de dollars américains, c'est montant l'argent qui est disponible. Ricardine Jean avec Jasmine Lorsemé a présenté nous un reportage. Sur une zone verte sous code acadien avec renforcement et puis conservation de la mer haïtienne, c'est quelque part mes projets qui ont pour exécuter dans le pays grâce à l'initiative groupe haïtien Sayo qui a évolué dans l'État Floride aux États-Unis. 3,5 milliards de dollars américains déjà disponibles pour ensemble projet Sayo selon le président Boris Goupla, Anson Jean-Pierre. L'eau a consommé ou c'est pauvre. C'est le concept brothers là. Les que ou sont employés de soi ou c'est esclaves. Lors que vous sont simples employés ou esclaves et pauvres. Centaines de membres nous combiner ensemble pour nous capables d'avancer avec le projet Haïti, le fait que vous êtes d'accord et répondre. Donc nous croyons que nous avons roulé sous. En main, sans projet, la poule avec $1.5 million. Plus passé en centaine haïtien était présent dans l'occasion présentation Brothers Group là, participant au salut initiative ça, yo souhaité Brothers Group pas prendre temps pour projet ça yo tourner en réalité. Son conscience spirituelle, mon conscience intellectuelle qui dit que l'idée pour nous réussir pour compte nous, l'irrévoltant, dans la mesure où vino aux États-Unis, où travaille, où réussit, et personnellement, et mon carrière, comme mon qui a pensé l'université, qui a pensé droit, comme avocat, etc., ou travaille pour un paquet de gros corporations américaines, ou travaille pour un dal billionnaire, ou travaille pour un gros paquet de gros universités, des mondes qui ont des idées pour réussir, et puis lorsque vous gardez paix pour
l'y abandonner. Non seulement l'abandonner dans les pays étrangers, mais la caille nous tout, nous censé abandonner. Donc nous disons pour qui ça, nous pas réunis en tant que cerveau, en tant que businessman, en tant que capitaliste, en tant que trader, en tant que banquier et en tant que scientifique pour que nous font bagaille, nous font bagaille de grande envergure, font bagaille qui m'a des respects, bon côté monde qui dans le travail, qui bon côté nous, que c'est blanc, que c'est noir ou que c'est l'autre nation, pour que vous dites, bon voilà, haïtien finalement, structure ou bagaille qui inspire l'autre monde venir investir avec eux, qui inspire l'autre monde respecter eux, qui inspire l'autre monde pour aller à Haïti. Nous croyons que ce bagaille important pour Haïti pour commencer à entrer dans la question économique. Et en tant qu'artiste qui représente Haïti dans plusieurs pays, et le seul problème que nous avons, c'est que nous produisons, mais nous ne pouvons jamais récolter financièrement. Je crois que Brothers, d'après ça, ils sont déterrapement à l'avant. Son bagaille, son révolution économique qui peut aider nous prendre l'art et la culture, nous venons faire le commercial. Pour des artistes qui sont capables de vivre de ça, et c'est parti ça, m'a joué dans Borders. L'initiative ça a pris 5 années avant de faire présentation officielle là. Borders Investment Group International, c'est un groupe haïtien qui décide de mettre tête ensemble pour capable faciliter l'investissement dans le pays d'Haïti à travers le monde. Et pour ça, il y a déjà ensemble un projet qui vise le secteur de la pêche là, agriculture et le secteur énergétique là qui n'ont dit pas trop long pour aller commencer démarrer dans le pays d'Haïti. Et nous avons notifié pour vous que c'est un valet environ 2 milliards de dollars américains qui est déjà disponible pour démarrer avec projet ça avec support l'État haïtien. C'était ensemble avec Ricardine Desanges depuis Fort Lauderdale pour TNH. Merci Ricardine ak Jasmine. N'a toujours été dans le même sujet ça pour nous faire qu'on a un ministre haïtien qui vit dans un pays étranger, Stéphanie Auguste, avec ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Carmel André Béliard, qui était présent dans la soirée présentation projet Brothers Group International. Féliciter Haïtien Sayo qui décidait de mettre ensemble pour porter un support collectif par le peuple haïtien, l'œil décidé de investir dans le pays. Toutefois, ministre Auguste a garanti le ministère de dirigeant pour continuer le travail avec l'entrepreneur Silayo. Sous Bopal, ministre agriculture Carmel André Béliard promet pour aider potentiels investisseurs Sayo. Surtout nos projets qui concernent le secteur agriculture et la pêche. On suit. C'est des investisseurs et ouais, on mettait tête ensemble pour former une banque. Ça veut dire qu'il a financé des séries de projets. Et me penser avec ça, ça pourrait créer des emplois et ça pourrait permettre que Haïti gagne un autre visage. Mais un point qui est important, tout, nous avons que ils ont fait des projets qui mettaient en valeur tout secteur, que ce soit secteur touristique, que ce soit secteur agricole, que ce soit secteur économique, agriculture. Ça veut dire Yoshita vraiment, et c'était un plaidoyer que, alors c'était un message que le président était passé, tout l'a été venu dernière fois dans la diaspora pour dire mettez tête nous ensemble pour nous venir avec un bagage concret, pour nous venir investir en Haïti. Alors on pensait que le message était clair, et c'est toujours le même slogan, même message que le gouvernement a bâillé, c'est lui-même que nous même tout en tant que ministre diaspora on a toujours bâillé toute notre diaspora et nous commençons ouais, et résultat, alors on a souhaité que collaboration ça, groupe investisseur ça vraiment y aurait été soudé et puis Naptanio nous toujours là et gouvernement paré pour ça justement c'est accompagner et encadrer pour que ça vienne vraiment concrétiser ça au besoin vienne investir parce que nous là pour ça et puis gouvernement paré. Gouvernement t'es toujours bon l'autre vision de développement du pays. Ça veut dire qu'ils voulaient nous éloigner nous au plus en plus de l'assistana. C'est-à-dire pour nous tendre que c'est l'autre pays, c'est l'autre bailleur dans le cadre de coopération bilatérale, coopération multilatérale, qui dit qu'il y a une fin pour le pays, pas des dons, etc. Nous plus viser une ouverture vers et pour encourager investissement dans le secteur ça, de façon pour nous travailler pour l'agriculture rentable. Nous voulons que l'agriculture lui suspende d'être une activité plutôt sociale, mais plutôt une activité économique rentable, et que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, lui prêt pour encadrer tout groupe investisseur. C'est ça qui fait que les gagnants des entités qui déjà
en place, donc le CFI, le Centre de Facilitation des Investissements. Ensuite, au niveau du ministère, nous avons une cellule qui est le UPISA, Unité pour la Promotion des Investissements dans le secteur agricole. Donc nous sommes bien contents que diaspora, pas contenté pour battre l'estomac, pour quantité de cobre que vous voyez en Haïti, c'est un coup sous-tendu à travers certaines prises de parole, il y a une majorité comme ça, il y a dévié Haïti, là il tombe l'autre pays dans le Caraïbe, là, puis vous voyez si vous étudiez, puis vous voyez l'autre pour une partie, etc. Mais qu'on y a, nous quoi avec groupe ça, qui n'a pas créé propre banque pour investir en Haïti, nous avons une grande opportunité que nous-mêmes dans le gouvernement, nous pas quitter passer comme ça et nous avons créé toutes conditions pour que nous assurer succès investissement ça qu'a fait dans le secteur. L'autre information n'a poté pour nous dans le journal ça, directeur général Bureau Mines et Énergie, Claude Prepty, répond question lundi 29 janvier. Membre commission sénatoriale, travaux publics, transport, communication sous risque sismique. Méthode sensibilisation, population et puis installation quelques sismomètres dans différents départements géographiques PIA. Tenant mi-temps discussion, yo, d'après président commission, sénateur Richard Hervé Lénine Fourcan. Parlementaire plaidé dans son ça en faveur augmentation budget bureau mine et énergie dans projet loi financement cap gagnant pour venir devant parlement haïtien pour permettre institution ça pi bien rempli mission li en suivi en bout. C'est aussi nous remarquer que moi bon côté pas motivé à mais avec ce coup sismique qu'a fait là comme c'est moi responsable et comme tu effectivement moi-même perdu toute forme même dans le tremblement de terre, je fais une attention spéciale sur ce qui a passé ces derniers temps. Et c'est pour raison ça, je fais ingénieur directeur général là, ingénieur Claude Petit est venu pour te donner plus d'explications sur ce que je dis. Parce que Jean, nous-mêmes là, nous sommes effectivement en pile pour augmenter le budget, budget minant, pour te ranger tout appareil. Mais tout si elle que nous avons besoin, si elle permet de nous joindre que. Faut nous préparer nous, faut mettre nous ensemble pour nous préparer nous, pour nous recevoir dans les jours mais années tout cap venir parce que nous pas connait parce que faillot a secoué en pile à droite à gauche. Nous gagne données là pour vous, nous gagne données que nous va le montrer peut-être dans la caméra que pendant les 6 derniers mois, on prend en rouge pendant les 6 derniers mois tout pays d'Haïti presque faille sud là a secoué en pile. Et là, ce que son mécanisme comme si leur secoué, ça veut dire le Fokochita. Tout le Fokochita, c'est le tremblement de terre. Le tremblement de terre vient du et puis le Chita, le Chita bien. Mais tout autant ça, la secoué, la bon avertissement. Et puis, ces derniers mois aussi, le mois de janvier seulement, nous allons recevoir, on va prendre l'envers là, nous allons recevoir 4 secousses. Toujours dans le sujet, ça, Bureau Minak Énergie a travaillé ensemble avec le ministère éducation nationale et formation professionnelle. Pour mettre dans le programme l'école, exercice simulation sous tremblement de terre, d'après directeur général Claude Prepty. Ingénieur géologue Prepty qui rappelait Mézi qui déjà adopté dans le cadre surveillance sismique, fait qu'on est pendant le mois janvier 2018, l'an Haïti déjà recevoir 4 secousses. On suit. En termes de surveillance sismique, nous sommes capables de réjouir que nous avons un réseau qui permet de faire surveillance, de secousse. Donc, une fois que la terre est secouée, eh bien, le réseau a enregistré la secousse. Nous faisons un bilan pour l'année 2017. Là, l'un prend les 6 derniers mois de l'année 2017, eh bien, avec l'appareil que nous avons gagné, bien que nous avons un pile qui est en panne et qui va le réparer, eh bien, nous avons enregistré plus que 13 micro-secousses. Dans la presqu'île du sud là, surtout. Et surveillance là te permet de nous comprendre que y a un paquet de micro-secousses que nous enregistrons autour de lac Azuéi et des micro-secousses que nous enregistrons tout dans la zone en Savo. Parce que justement, c'est sous faille là que vous voyez. Et c'est deux extrémités faille qui ont secoué sérieusement parce que l'an mi-temps, tu es bâti le monde à 12 janvier 2010. Donc, études ont révélé que contraintes ont dissipé dans la zone Léogane Grissier, mais l'extrémité faille, contrainte, vient renforcer
et c'est normal que nous avons ce coup ça au Kounia. Explique les failles ça au côté où est là. Donc, au premier faille qui traverse toute presqu'île du Sud, là, depuis la zone fond parisien, arrivé jusqu'à la pointe Tiburon, donc il y a plusieurs segments, et une deuxième faille en nord qui passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas dans la mer. Donc, c'est deux failles que nous avons surveillées. Et un paquet d'autres failles secondaires que nous avons identifié au fur et à mesure qui est capable de bailler de gros tremblements de terre tout le pays. Après le tremblement de terre de janvier 2010, la population est beaucoup plus sensible à phénomène de tremblement de terre. Donc, il y a plus comprendre ça que les tremblements de terre là, mais il faut que un travail qui est beaucoup plus spécifique qui fait dans le domaine là, pour que dans l'école, il introduit matière ça pour que tout le monde connaisse qui comportement pour gagner face à tremblement de terre. L'autre point nous t'est abordé dans Grand Titio, dans l'occasion 31e conférence lundi de la presse, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, présenté lundi 29 janvier un grand dossier ministère SILA, spécialement nomination enseignant. Yo. Ministre Pierre Josué Agénor Cadet fait connaître tout enseignant qui dans sa classe. Abjoint lettre nomination yo si yo qualifié. Merci parce que nous toujours été branchés journal lance ou télévision nationale d'Haïti. J'en t'ai annoncé dans grand titre tout kou yo pas recommencé dans faculté sciences humaines lundi 29 janvier à Jean ça t'ai annoncé malgré étudiants yo te répondre présent, mon personnel administratif lan ak professeur yo pas de présent. Yon équipe télévision nationale d'Haïti te visite local faculté à Matéan. On suive qui j'en santé dans un reportage John Herbica Seus avec Hervé Pierre. Malgré avis conseil coordination faculté sciences humaines te mette de yo pour annoncer reprise kouyo lundi 29 janvier 2018 là dans faculté à, activité a toujours été paralysée dans l'institution ça. J'en suis capable de constater ça, toute salle classe vide, pas gain professeur. Personnel administratif l'a pas mis tes pieds. C'est quelques étudiants qui viennent garder qui j'en saye dans l'espace là. Étudiants yo dénoncé comportement responsable université a. Yo fait connait yo bouquet monter descendre dans faculté a pour rien. Non mais c'est pas la première fois yo réouvrir après fermeture là donc c'est pas espoir vraiment donc. C'est pas la première fois n'a vienne là tout pour grand merci. Ça vient tant qu'on habitude. Kou yo pas vraiment commencé donc nous pas connait qui empêchement pour se gagner. Mais nous espérons que la semaine cabinet pour qu'on reprenne quand même. C'est un seul cours qui arrive fait pendant le matin. Là, il y a un cours qui était deuxième. C'est étudiant finissant dans. Bon, même mémorant, même parce que mémorant, je travaille. Qui donc vient dans la bibliothèque là, où il n'y a pas d'espace pour étudier là, par rapport avec Jean Faculté. Je viens dans la bibliothèque, nous, Jean Faculté est là. Je suis étudiant mémorant dans le département de sociologie. Je suis besoin de finir ici. Je ne suis pas quittant ici. Nous besoin fini ici. Nous besoin fini ici. Bon bon étudiant besoin fini ici pour passer notre étape. Faut nous compter sur nous. Étudiant ça va demander quoi? Oui, moi besoin pour tout. Besoin fini ici. Bon bon étudiant besoin fini ici pour quitter étape ça parce que faut nous progresser dans la vie nous-mêmes. Ça fait environ 11 mois depuis activité académique qui a campé dans faculté sciences humaines. Qui ça qui empêche l'état prendre décision pour remembrer université l'état, ces questions jeunes universitaires pas se pas poser en dans pays. Et puis, quand on a fait connaître un nouveau directeur départemental qui est installé pendant week-end long en tête entreprise publique promotion et logement social EPPLS dans le département La Tibonite et dans le département Nord-Ouest. Darlene Dorival et Henri Robert Chéri étaient sous place un reportage. Cérémonie s'est déroulée en présence délégué départemental. Et c'est directeur général EPPLS là qui installé ingénieur Delphis Enoch dans Gonaïve et Polycarp Saint-Lucien dans Port-de-Paix. Dans le cadre de cérémonie, ça, directeur général EPPLS là, Yvon Bistret, fait connaître l'administration Jovenel Moïse là, à travers EPPLS là, une mission pour accompagner Silayo qui n'a pas gagné un gros moyen. Gouvernement Moïse Lafontaine, eh bien, les bonnes missions comme directeur général EPPLS, pour mettre en œuvre, mettre en application politique nationale des logements sociaux. Eh bien, qui se permettent population qui est plus vulnérable, famille à revenu modeste, gagner un logement
décent pour dormir, ou logement qui va coûter un pile l'argent, mais qui bon logement. Nouveau directeur, il fait qu'on ait pris le travail avec toute l'autre instance. Dans l'idée pour faire travail comme ça doit. Direction ça, pour le mettre dans le travail rapidement avec tout élu local, l'autre direction départementale, ONG, Jean directeur Adia, délégation, sénateur et député, ensemble avec responsable caravane changement, pour que nous goûmer pour garder ça nous café dans le domaine et logement. Nous allons nous mettre immédiatement au travail dans l'objectif de contribuer à la concrétisation de cette noble mission. Entre guillemets, faciliter aux familles haïtiennes, surtout aux plus faibles des revenus, à l'accès à un logement décent. Entreprise publique promotion avec logement social et PPLS, c'est une institution qui existait depuis 1982. Mission, c'est construire et gérer question logement dans le pays. Merci Darlene ak Robert. Nous allons poursuivre ensemble avec responsable Confédération nationale vaudouisant haïtien, KNVA, qui présentait lundi 29 janvier ensemble projet au comté démarré à Nessa pour permettre le secteur vaudois puis bien fonctionner. Série projet ça yo d'après responsable Silayo a fait dans l'idée pour marquer 10e anniversaire KNVA. On suit un reportage René d'Orléans avec Henri Robert Chéri. Sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2018, ça fait déjà 10 ans environ depuis diverses organisations dans le secteur vaudois mettaient campé Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA. Dans l'idée pour marquer 10e anniversaire, responsable comptait réaliser plusieurs activités pendant l'année. 10 ans depuis discussion a continué avec pouvoir l'État, société civile, là, organisation internationale, corps diplomatique et consulaire. L'autre religion qui gagne dans le pays, il y a une manière pour que KNVA continue à jouer Wally et puis bail vaudou à direction qui a permis d'occuper vraie place dans la société haïtienne. Je dis à KNVA travaille d'arrache-pied pour socialiser le secteur. C'est pour ça qu'il a monté plusieurs projets qui doivent exiger commencer l'année ça pour arriver 2021. Ça qui paraît, c'est Badi conceptuel là qui c'est péristyle communautaire. Kay Papa Loko qui c'est forêt sacrée, l'école pour petit vaudouisant, création richesse premier à assurance mortier qui a lancé 19 mars, campagne éducation civique, alphabétisation. Responsable affaires sociales KNVA, Walton Bertrand, bon côté parle dénoncer persécution li estimé secteur vaudois absibi. Walton Bertrand, plus loin, expliquer quelle que soit religion, elle doit fonctionner dans le pays a, sans le pas obliger à subir persécution. Nous devons voir bien fort pour nous voir un pinga par tout secteur qui a fait manœuvre pour persécuter vos douisans. Bouler péristyle, maltraiter, courir derrière, mettre dans maon et puis voler bien. Nous demandons au gouvernement pour lui prêter un pile attention pour appareil répressif l'État, tant que la justice avec la police, par service outils dans l'attaque qui a fait contre vaudouisants sous base religieuse. Nous demandons tous vaudouisants pour arrêter tête frette, pour ne pas prendre un craponaille ni dans aucune provocation. Pour ne pas avoir aucune menace verbale, ou sinon écrit, valeur. Mais c'est pour être vigilant. Pendant qu'il prend toute disposition pour parer, pour nous défendre tête, nous, avec la famille, nous. Frères et sœurs, nous qui sommes vaudous, qui sont vaudouisants, pratiquants. Mon premier ministre, c'est un homme d'État. Même si l'État est fou, il y a des choses qu'il n'a pas ni dit ni fait. Et puis, nous-mêmes, bon côté par nous, nous connaissons.
Haïti, c'est un pays à bobo. Si à maintenant, il y a place li, c'est parce que nous-mêmes, vaudouisants, qui constituons la majorité de nos pays, nous respectons le principe de vivre ensemble, le principe de tolérance. Non, tous vaudouisants, Haïti national, qui c'est Joseph Fritzner Koma, décrété l'année 2018 là comme une année tête ensemble pour célébrer 10 ans d'existence KNVA. Dans le mois de mars qui vient là, dirigeant yo nan KNVA prévoit réaliser diverses activités pour marquer 10 ans d'existence yo. Dans ce sens, yo invité moun nan population à participer à yo. Nous allons continuer plutôt avec mairie Cité Soleil qui lançait une campagne nettoyage samedi 27 janvier passé à non commune Silla. Activité ça qui sous 7e édition d'après magistrat adjoint Joël Jameus, c'est pour pas commune là un autre visage. Dans ce sens, ils ont engagé environ 300 personnes pour faire travail ça, d'après magistrat qui était tout profité, mandé SMCRS à travaux publics pour accompagner. Ils ont extrait dans le micro Richardson Jourdan avec Bernard Marseille. Nous avons environ 300 personnes dans la rue, mais j'aime dire c'est un travail volontaire. Ce n'est pas activité l'argent qui est lié, c'est employé la mairie, c'est Conox, collectivité et bon, Notabio. C'est organisation de base, c'est une série de monde et de bonne volonté qui choisit faire 7e édition ça avec nous, jeudi. Et nous avons SMCRS tout, qui est avec nous là jeudi, qui bat le matériel et pour l'ouïe, camion, l'odeur pour nous capables. Et ramasser Fatra. C'est dans toute commune. Non? Nous commençons avec Cafou Vincent, c'est 7e édition. Côté qui n'a pas Fatra la Kaimounio. Mais cependant, jeudi, nous commençons bon mairie Cité Soleil, prenons Cafou Vincent pour arriver dans 10 rivières. Et nous prenons Fatra, tout nous disons, tout le monde en plein temps. Vite mettre Fatra nous dehors aujourd'hui et pour mairie Cité Soleil, ramasser les et ajouter le tout. Et nous avons environ 6 tricycles qui passent pour Fatra à la Kaimounio. Nous avons le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous prenons dans différents quartiers d'une façon pour nous capables de satisfaire chaque quartier. Mais cependant, besoin de nous, il y a un gros problème actuellement là dans la Rivolsi, si l'appli qui tombe là, il y a des Kaimounio, en pile de la Kaimounio dans la Rivolsi. Mais cependant, nous connaissons qui fait ça. C'est question canal. Depuis que la pluie est tombée, par exemple, dans Keskov, on la pluie tombée Pétionville, tombée Port-au-Prince, tombée Tabar, même elle va tomber Cité Soleil. Cité Soleil, il y a un problème. En fait, je pense que Caravanta va aider les gens de Cité Soleil en pile, et spécialement dans le canal. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Là, nous retournons, nous prenons l'autre bord de l'eau. Restez branchés. Et je nous ai dit l'avant-pause là, nous prenons l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître dans le cadre de célébration 165e anniversaire naissance héros indépendance cubain José Martí. Yon statut héros dévoilé dans la Havane dimanche 28 janvier 2018 là. Statut ça c'est un cadeau est à New York fait la Havane. Président cubain Raúl Castro présidait cérémonie ça. En présence représentant magistrat Ville New York. Là. On suit. Ville New York offrit la Havane un statut José Martí, euro-cubain, dimanche 28 janvier 2018. Là. Cadeau sa inauguré 28 janvier, à date José Martí te prend naissance. C'est chef l'État cubain Raúl Castro qui préside cérémonie inauguration ça en présence représentant Mise Bronx et mairie New York. Là. Dans ces circonstances, Mise Bronx a organisé un collecte don pour réaliser un lot statut même genre. Qui c'est Eve américain Anayat Huntington. Environ 2,5 millions de dollars ont été ramassés. Nous avons souligné que Cuba a traversé une période critique dans la relation avec les États-Unis depuis le rétablissement diplomatique dans l'année 2015.
Merci Betty. Et puis après inondation dans ville Paris, capitale française, hein, de l'eau arrivée à 5,85 m lundi 29 janvier. Hein. Niveau de l'eau a dû baisser à partir de demain mardi 29 janvier hein, et puis 30 janvier hein, plutôt. Et puis retourner dans normal après plusieurs jours. En pile intervention a persisté sous dégâts potentiels pour région parisienne avec plusieurs départements aux alentours qui toujours sous vigilance rouge. Dans ça qui gagne ouais à transport, 7 gares parisiennes qui situées tout près fleuve la Seine après été fermées au moins pour juste 5 février. Fleuve s'il a débordé après plusieurs gros lapis qui tombaient pendant dernière semaine sa yo, d'après Météo Français. Mois décembre à janvier, c'est 2 mois qui te baillent plus lapli. Journal arrivé dans Boutli, mais avant nous aller, me rappelle Grand Titio. Président République là, Jovenel Moïse retourné dans le pays hein, dimanche après visite li dans le pays Italie, côté le chita palais à Tokay italien li Sergio Mattarella et puis Papa François. En avant quitter pays Italie, chef l'État t'a rencontré membre communauté haïtienne non, en Italie. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet présenté aujourd'hui à grande ligne action ministère mené pour améliorer système éducatif là. Ministre là, a participé dans 31e conférence pour la presse qui déroulait aujourd'hui à dans cadre programme lundi de la presse ministère communication organisé. Plusieurs haïtiens qui vivent dans le pays les États-Unis dans l'État Floride décidé mettre tête ensemble une manière pour capable investir dans divers projets de développement dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, ils mettent sous pied une structure qui porte nom Brothers Investment Group International. Plus passé 3 milliards de dollars américains déjà mobilisés dans le cadre de projet SILA. Kouyo Parivé reprend nos facultés sciences humaines lundi 29 janvier à Jean-Saté annoncé, faculté à fermé depuis environ yon l'année. Et puis dans le cadre de célébration 165e anniversaire naissance euro-indépendance cubaine, hein, José Martí, yon statut héros a dévoilé non la Havane dimanche 28 janvier 2018. Là, statut ça, c'est un cadeau est à New York, fait la Havane. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça, en présentation, hein, c'était Linella Sandra André. N'a pas remercié toute équipe là, qui était mobilisée pour te révérendre ni possible. Et n'a souhaité nous toutes une fois encore une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.